Ah, en tout cas, il y a qu'au monde de la diaspora où... Ça, c'est une femme que je suis entendu vous présenter comme ça. Voilà, une femme d'un membre de la diaspora. En tout cas, sachez à qui vous confiez vos projets d'élevage, en tout cas. Voilà, ça, c'est la femme d'un monsieur. Voilà, qui a confié la responsabilité de la ferme à son frère. Il envoie pratiquement 2 millions chaque fin du mois pour pouvoir nourrir le pauvre. Et qu'est-ce que son frère il fait? Il prend cet argent. Hein. Il prend 200 000, 100 000 gens, il se promène dans la ville, il paye les pots du manioc, les pots de banane. Il nourrit les pots avec. Le reste, il fait la java avec, dans les bars. Vous voyez là, les animaux font une semaine sans manger. Regardez ceux-là, regardez ceux-là. Comment ils sont? Vraiment, homme, yakode. Regardez. André, ils ont payé les pauvres, ils les mettent en prison ici. Regardez-les vous-même, regardez-les. Ils font pitié comme ça. Vraiment. Regarde. Hey.